Salut les amis, c'est Kana en direct de son PC pour la suite de notre aventure sur Sacred Citadel, acte 2. On commence tout de suite par le bourbier sans fond, mais je vous laisse un petit peu savourer cette sympathique musique. Allez, on y est, let's go les amis. Petite scène. With the artifact in her possession, the Grimmock warlord headed back to her base in the old ship graveyard. This eerie place was said to be the home of terrifying swamp creatures and the ghosts of drowned sailors. There, a shadowy figure impatiently awaited the warlord. Voilà, après avoir récupéré l'artefact, apparemment, Sir Tellary... Ah putain, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, j'ai oublié aussi de faire un petit résumé. Donc je vais pouvoir parler pendant que fait tout son bullshit, puisque c'est écrit. Je rappelle qu'on se retrouve sur Sacred Citadel, un jeu développé par Souf-End Interactive, édité par Deep Silver, et dispo depuis le 17 avril... Ah putain, j'avais pas vu le bidon, je pensais pas qu'il allait me sauter à la gueule. Donc en fait, apparemment, j'ai compris, hein. La potion jaune, c'est la potion d'énergie, ça sert à me donner tout simplement bah, des attaques spéciales. Voilà, j'étais un noob. Tout simplement parce que j'avais inversé la potion bleue et la potion jaune. Et la potion bleue, c'est la potion de rage, j'en ai pas encore eu. Je sais pas si ça se trouve dans les niveaux, peut-être que ça s'achète simplement en ville. Dans le précédent épisode, j'ai été faire un petit tour en ville, mais j'ai pas acheté de potion de rage. J'avais plus d'argent, j'ai dépensé mon argent de l'équipement. Tout simplement parce que je trouve que la chamane frappe un peu faiblement à mon goût. Après, je vais pas entrer plus dans les détails. J'irai tester d'autres personnages hors caméra. Et à la fin de ce playthrough, je ferai un petit épisode récapitulatif pour vous donner un petit peu ma vision de jeu. Une sorte de petite description. Uppercut! Uppercut! Uppercut, j'ai dit. Bim. Oh la vache, je me suis fait coincer par le petit trou là. En fait, je viens d'entrer dans un marécage. Ah, je peux pas frapper dans le marécage. Là, je mange là. Oh là, sors-toi de là. Mais si je peux frapper. Hop, on gaspille pas. On utilise une potion de vie, on ramasse celle qui traîne. Ok, quand vous énerve, vous montez sur le sol. Ok.
Putain, j'arrive plus. Tourbilol, voilà, j'arrivais plus à le faire. Pièce d'or, ok. Niveau supplémentaire. J'ai essayé un petit peu mon attaque spéciale pour voir ce que ça donnait. Sorte d'aura autour de moi, à quoi elle sert, on se le demande. Ah, j'oublie aussi ma défense magique. Oh la vache, ils sont trop nombreux! Putain, il en reste encore! Qu'elle vaut le coup celle-là. Oh oui! Allez, on continue. Levez-vous, guerrier vaincu. Allez, ramenez-moi plus de cadavres pour que je joue avec. Ah ok. C'est un maître des morts. Ils ont été vaincus une fois, ils peuvent être vaincus une seconde fois. Oh! Assomme-moi, ok, allez, on va tester ça tout de suite. Ok, c'est comme l'hypercute, mais plutôt vers le bas. Tac, 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 la technique du ninja. Wow, il jette des trucs lui. J'arrive mon gars. Écrasement, 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 uppercut. Écrasement, ça marche bien sur le maître des morts. Je vais l'appeler comme ça, Master Death. Ouh, ça sent le boss Roxorien. Allez, viens là, mon petit ami.
je suis en train de manger. Attaque spéciale. Défense magique. Oh, je suis mort. Putain, ah putain, je me sentais chaud pourtant. On va essayer de rester là-dessus. Oh putain, il m'a touché alors je pensais qu'il pouvait même pas me toucher là. Oh putain, il me touche même au vol. Non. Je le touche plus là. Putain. Voilà, assommage, assommage. Activer le truc spécial. Putain. J'ai pris une potion juste à temps parce que je pensais que j'allais me... Ah, ma première potion de rage. Ouais. Allez hop, défense pour ça. Attaque, on prend ça. Défense, on prend ça. L'épée là. Putain, l'épée, je veux l'épée. I brought you a present, my little dumpling. This lovely artifact. I'm flattered. Where is the other one? Oh, la tête! You'll have it soon. We march to the wilderness in 2 days. The Ashen do not wait. Clearly, this task is beyond your abilities. My abilities? Do you realize how many of my children have died for your silly toy? Des centaines de soldats! My point exactly. Ah, mon épée. Elle voit rien. Allez hop, on se barre. Putain, je prends pas beaucoup de trucs sur sur l'aile là. 6 points, 6 points, 6 points, je vais les mettre, je vais les mettre. Allez, j'en mets 2 en attaque, j'en mets 2 en défense. Chance de coup critique augmente quoi? Les dégâts physiques. Des armes à distance. Mais j'ai pas trop d'armes à distance moi. Allez hop, je vais mettre un point en énergie. Il me reste un point. Allez, j'en mets 2. Je verrai la dextérité plus tard. Allez hop, on va faire comme ça. On passe à la mission 2, garnison blindée. Le Marie Grimoire est construit sur un cimetière naval, soi-disant hanté par des fantômes des marins noyés.
J'ai pas eu le temps de voir la suite. Les fantômes, ça me connaît, je suis une chamane, les amis. Est-ce qu'on peut prendre le véhicule? Écrasement, les gars. Uppercut pour vous. Vous étiez enragé, bah ça s'est vite terminé. Donnez-moi le pognon et en avant les machines. Non, reste dedans. Yeah! Reste là-dedans. Oh, la machine d'enfer. Ça, ça vaut le coup ou pas? Oui, j'ai bien fait de revenir en arrière pour ça. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas... roule dessus. On peut pas revenir en arrière et les écraser vraiment. C'est ma machine de tuerie, les amis. Rien ne vous rien ne m'en fera sortir. On l'appellera l'exterminateur. Ce n'est pas fini. Coucou, je suis rentré. Putain, je suis obligé de le laisser là. Me voilà, les amis. Oh, encore un petit piège. Allez, hop. S'occuper du chaman. Ouh là. Hop, restez là. Allez, faut pas venir moi. Oh la vache, les feuges. Retournez d'où vous venez. Oh putain. Ça va pas se passer comme ça toi. Attaque spéciale. Je me recharge, je prends cette jauge. On continue. J'ai un peu plus de puissance que tout à l'heure. Du moins qu'au début de l'aventure. Je dis tout à l'heure parce que je tourne tout d'un coup. Hein.
Oh! Putain, trop d'ennemis, trop d'ennemis, tue les ennemis! Oh putain, j'avais de la potion de vie en plus. Reste pas là, reste pas là, canard! Écrasement, écrasement, uppercut! Allez! Ils sont plus que deux. Oh, l'uppercute là, il était violent. C'était pas si dur que ça finalement. Faudrait que je surveille un peu plus ma vie en fait. Je récupère ça. Allez hop, c'est parti. C'était la fin du niveau en plus. J'ai pris encore 6 points. Allez, 2 points en dextérité, 2 points en énergie. Et l'attaque, bien sûr. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de Sacred Citadel. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Kana en direct de son PC. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je ne peux que vous recommander d'aller les voir. On se retrouve pour la suite très bientôt. Et je vous dis à très bientôt, je vous remercie de suivre mes vidéos. Et je ne peux que vous recommander de pouce-vériser cette vidéo. Allez, à très bientôt, c'était Kana en direct de son PC.